Quels sont les effets des frappes sur les points vitaux en Kyushu-Jitsu? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Si tu souhaites décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la clochette de notification afin de recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Vous tapez sans taper. Ça veut dire quoi, vous tapez? Ça veut dire faites pas ça. Là, tu sens là, ça va? Tapez pas. Il faut être précis, il faut faire juste ça. Léger, il faut être sur la zone. Alors chez certains ça fait pleurer, d'autres ça fait rire. Là doucement. Mais dans l'idée, voilà, essayez de taper en projetant votre force ou votre énergie et votre détermination à travers le bras. Pas ça. Ça. Voilà. Là par contre, ça diffuse là. C'est extrêmement puissant. Hein. C'est extrêmement puissant. Par contre, il faut bien savoir le taper. Est-ce que tu sens un petit truc? Un petit peu. Bon, sans plus. Peut-être qu'en tapant, tu permets que je le fasse. Après, c'est pas obligé. Hey, je vous oblige pas à vous taper. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Saisis-moi, s'il te plaît. Saisis un peu. Non, sans que. À moins que. Ça fait un petit peu mal, mais ça. Non, ça va, sans que. Là, je fais ça à l'oreille, puis. Par contre, faut quand même masser parce que c'est pas anodin. Il se peut que tu. Dans... Stop! Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dans... Regardez, Julie, elle le sent pas. Je vais lui mettre un bon petit shoot que l'oreille. Ou Andy aurait couiné un peu. Donc, elle le sent pas, elle est pas sensible. Ça dépend des individus. C'est pour ça que ça sert à rien de s'acharner. Hein. Ça marche pas, ça marche pas. Par contre, ça veut pas dire qu'il y a, ça va, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet dans le corps. Là, sur le moment, ça va. Dans une heure, peut-être, elle va dire putain, j'ai mal à la tête. On a atteint le système nerveux, c'est pas anodin. Donc il y a des effets sur le moment. Et des fois, c'est limite à fleur de peau. Les personnes vraiment extrêmement sensibles, des fois, on leur fait ça. La personne, elle peut tomber KO. Il faut vraiment être extrêmement sensible. Il ne faut pas pipoter. On voit de tout sur Internet. On voit des gens, ils font des trucs vaudous. Là. Moi, je déconne, mais ils font ça, ils font. Le mec, ah, magnifique, c'est ça. Et après, tu fais comme dans Kill Bill, tu marches. Tu... Donc voilà, donc il y a les coups à l'instant T, donc ou j'ai mal, ou ça va, puis après on commence à avoir le bras qui se... Qu'est-ce qu'il a, lui? Le petit courjus. Ou alors, des fois, ça peut aller, ça dépend des individus, ça peut aller du courjus jusque dans le pied, à la tête, on peut avoir mal à la tête ou quoi. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.